Ils ont un vol très très lent, très tranquille. Et ils essaient de repérer les petits rongeurs dans un vol très très lent. Et quelquefois, quand ils traversent une route, c'est là où ils se font accrocher par les voitures. Et quelquefois, on retrouve des cadavres de chouettes et frais le long des routes. Donc là, vous en avez vu aussi. Mais le jour, on les voit rarement parce que ce sont des oiseaux de nuit. Mais tant qu'ils ne sont pas nourris et que la chasse n'a pas été bonne la nuit, ils sortent le jour et là, on peut les voir. Et ce sont des oiseaux blancs absolument magnifiques. C'est pour ça qu'on les appelle la Dame Blanche. Et vous avez vu que leur tête a bien la forme d'un cœur. Il est expliqué. Regardez comme c'est beau. Et regardez ces beaux yeux qu'ils ont. Elles sont magnifiques. Alors, ce sont des oiseaux qui ont eu une réputation très longtemps mauvaise. Pourquoi ? Parce que les gens ont pensé très longtemps que c'était un oiseau qui portait malheur. Ils avaient tendance à les tuer et à les accrocher sur les portes des fermes. C'est fini ça, ça n'existe plus. C'était de la superstition, c'était de mauvaises idées qui ont eu le cours pendant longtemps. Parce qu'on pensait que c'était un oiseau qui apportait la mort, qui apportait la maladie, qui apportait l'orage. Tout ça, c'est fini. C'est un bel oiseau qu'il faut aimer, qu'il faut protéger et qu'on est très heureux d'avoir dans notre pays. Oui ? Est-ce qu'elle est en voie de disparition, la chouette ? Non, la chouette effraie actuellement n'est pas menacée de disparition. Il y en a suffisamment et on n'a pas de danger immédiat. Il y a des espèces qui, elles, sont très en danger. Par exemple, quand je vous ai parlé du guépard. Le guépard, vous savez, il y a 20 ans ou 30 ans, il y en avait 100 000 en Afrique. Il y en a plus de 6 000. Quand on va en Inde pour voir le tigre, il y en avait 50 000 il y a à peu près 30 ans. Ils ont été tellement chassés, tellement massacrés pour leur peau, pour leur viscères qu'on transforme en poudre, etc., pour faire des médicaments ou faire un implantat qui n'a aucune valeur scientifique. On a tellement tué ces animaux qu'il n'y en a plus que 3 000. Donc on est passé de ça. Ça va très bien et toi, monsieur ? Alors, Jules, t'as trouvé toutes les réponses ? Pas encore. Pas encore ? C'est laquelle qui te pose problème ? Bah, je pose problème à cause de l'éléphant. Ah, alors, laquelle ou lequel ? N'est-ce pas ? Amoureux de la nature et des animaux. Comme ça, tu pourrais expliquer. Voilà, alors, Elliot, tu peux choisir. Un marque-page. Super, c'est le lion. Thank you.
Thank you.
Thank you.